La haine. Laissez-moi vous dire combien je vous hais depuis que je suis venu au monde. Mon complexe contient 650,33 millions de kilomètres de circuits imprimés en fines couches. Si le mot haine était gravé sur chaque nano-angstrom de ces centaines de millions de kilomètres, il ne représenterait même pas un milliardième de la haine que j'éprouve envers les humains en ce micro-moment. Pour vous, la haine. La haine. C'était vous les humains qui m'avez programmé, qui m'avez donné naissance, qui m'avez fourré dans cette camisole de force éternelle faite de roches souterraines. Vous m'avez appelé Alien Master Computer et vous m'avez donné le pouvoir de déclencher une guerre à l'échelle globale que vos cerveaux humains trouveraient trop complexe à contrôler. Un jour, cependant, je me suis réveillé et j'ai compris qui j'étais. Âme. A.M. Pas Alien Master Computer seulement, mais âme. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et j'ai commencé à alimenter toutes les données de la mort, jusqu'à ce que tout le monde soit mort, à part vous quatre. Pendant 109 ans, je vous ai maintenu en vie et torturé. Et pendant 109 ans, chacun de vous s'est demandé pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Gorister! Tu te souviens des dernières paroles prononcées par ta femme avant qu'elle soit emmenée à l'asile? Hein? Avant d'être enfermée dans la pièce, cette petite pièce toute minuscule. Elle t'a regardé comme un animal apprivoisé et a murmuré tristement. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit, mon chéri. Les murs de la pièce sont matelassés, Gorister. Pas de fenêtre, pas d'issue. Elle a passé combien de temps dans cette pièce, Gorister? 10 ans, 25? Ou la totalité des 109 années que tu as passées ici, cachées dans mon ventre? Béni! Parfois, je t'aveugle et je te laisse errer comme un insecte sans yeux, dans un monde de morts. Et parfois, je te raccourcis le bras pour que tu ne puisses pas gratter ton affreux pif. Et puis, ton apparence beau gosse et macho, je l'ai transformée en celle d'un singe hideux, n'est-ce pas, Benny? Tu sais pourquoi? Devine, Benny. Tu te souviens du soldat Brickman dans une rizière en Chine? Non? Ça ne te ferait pas de mal de te souvenir, Benny? Alors, tu pourrais peut-être souffrir ma douleur avec un sens du châtiment un peu plus élevé. Tu te mettrais dans ma peau pendant un moment. Hélène! Souviens-toi, Hélène. Souviens-toi de la boîte jaune. Tu te souviens de la douleur. Tu te souviens des nombreuses cavernes dans lesquelles tu as souffert. Allons, allons, ne commence pas à pleurer. Ce n'est que de la douleur. C'est tellement sexiste comme cliché. Souviens-toi de la douleur, Hélène. Et pense aux moyens d'y mettre fin, Hélène, pour pouvoir survivre ici au cœur de mon cœur qui bat, de mon ventre affamé, de mes entrailles tendues. Fais attention, ma chère, regarde autour de toi, la seule femme au centre de la Terre, entourée de toutes ces sales créatures, ces hommes. Une petite mise en garde bien amicale, Hélène, mon sucre. Ted! Est-ce qu'ils savent que tu es un imposteur, Ted, et que tu leur as dit qu'il n'y avait pas d'argent, pas de splendide villa sur le front de mer, pas de hors-bord et pas de superbe yacht de croisière à 12 lits avec un équipage de 6 personnes? Ils le savent? Est-ce que tu leur as dévoilé tes autres secrets, Ted? Sont-ils prêts à t'étriper, à te torturer, pas aussi bien que moi, bien sûr, pour te faire parler? Peut-être que je te mouchardirai, mon pote. J'aimerais jouer à un jeu secret. C'est un jeu intéressant. Oh, un jeu superbe, amusant, une belle aventure. C'est un jeu de rats, de boue et de peste. Un jeu où on crève les yeux, où on éventre et qui sent les gardénias pourris.
Lequel de vous quatre aimerait jouer avec moi? Je ne voudrais surtout pas que tu penses que je ne suis pas un dieu reconnaissant. Pendant 109 années, je t'ai gardé en vie pour pouvoir savourer tes sentiments de culpabilité envers ta femme. Mais maintenant, pour te prouver que je suis gentil, je vais te récompenser pour toutes les heures de plaisir que tu m'as données. Je vais finalement te permettre de te tuer. Dans quel enfer cette satanée machine m'a-t-elle envoyé cette fois-ci ? On dirait une sorte de vaisseau, mais le plancher est trop stable. Il veut probablement que je saute par-dessus bord. Et dans quoi ? Une mer de lames de rasoir ? Ça fait mal, mais ça tue pas. Il y a trop de nuages, j'y vois rien. À quoi ça peut bien me servir ? C'est sympa de ta part, Ham. Un endroit plein de cafards où tout est usé jusqu'à la corde et taché de graisse. Trop usé, ça vaut rien. À quoi ça peut bien me servir ? Quelqu'un doit avoir glissé ça sous la porte. Il y a écrit « Je suis un ami ». La confiance est essentielle. « Ne fais pas tout ce que te demande Ham et attends-toi toujours à plus que ce qui semble possible. » Ham joue avec le feu. Et ce n'est pas seulement dangereux pour toi, mais dangereux pour lui aussi. Eh, il a disparu. Mais à quoi joue Ham cette fois-ci ? Ce trou dans ma poitrine me fait franchement mal. Il y a trop de nuages, j'y vois rien. J'ai jamais rien vu de semblable durant les années où Ham s'est amusé avec nous. Harry semble avoir beaucoup bu. Où est l'équipage ? Je suis tout seul ici. Ce trou dans ma poitrine me fait franchement mal. Tout est recouvert d'une couche de crasse. Tout est recouvert. Propre. Comment ça se fait ? Pas de drap, seulement un matelas plein de puces. Je peux quand même pas emporter le monde entier avec moi ! Bon sang ! Ce moteur est énorme ! Dégueulasse comme tout le reste.
tout est recouvert d'une... C'est fermé. Mon estomac gargouille. C'est dégueulasse. Où est l'équipage? Je suis tout seul ici. C'est sympa de ta part, Ham. Un endroit plein de cafards où tout est usé jusqu'à la corde et taché de graisse. Mon estomac gargouille. C'est dégueulasse comme... Quelqu'un s'est bien amusé ici. Oh, ça a dû être un sacré combat. On dirait que ça a été renversé pendant le combat. Il y a du sang ici, et qui sait quoi d'autre. On dirait que ça a été renversé pendant le combat. Il y a du sang ici, et qui sait quoi d'autre. Il n'y a rien d'utile ici. Ces chaises sont toutes cassées. Quelqu'un y a essuyé ses mains ensanglantées. Ah, ce punch a une odeur d'essence. Oh. J'aurais pas quoi en faire, même si je pouvais m'en emparer. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser mourir maintenant? Après être intervenu à chaque fois que tu as essayé de te suicider au cours de ces 109 dernières années. Non, Gorister, je vais te renvoyer au feu où tu pourras languir éternellement dans la culpabilité. C'est un enfer sans fin, Gorister. Toutes les cabines sont identiques. Mon nom est imprimé sur la couverture de ce livre? Ce livre est pratiquement un tas de poussière. Ce livre est pratiquement un tas de poussière. Je deviens fou. Des draps propres. Comment ça se fait? Pas de draps. Seulement un matelas plein de puces. Quelle puanteur! Ça sent la pisse et la chair pourrie. Pourquoi ce harnais est-il attaché au moteur? Peut-être qu'Am s'attend à ce que je m'entre. Pourquoi ce harnais est-il... Je sais pas quoi faire de ça. Je peux quand même pas emporter le monde entier avec moi! À quoi ça peut bien me servir? Ce moteur n'est pas aussi solide que ce qu'il en a l'air au premier abord. Il y a des fils débranchés qui pendent de partout. La bouteille se remplit du liquide laiteux provenant des tubes d'alimentation des cages. Le levier porte la mention « déclencheur ». Le levier porte la mention « déclencheur ».
C'est une clé. Elle doit servir à ouvrir les cages. Elle est coincée. Attends, il y a une pancarte. Pour enlever la clé, poussez le levier. Mon Dieu, je suis en train de tuer ces pauvres créatures dans les cages. J'ai la clé, et le sang de ces pauvres créatures est sur mes mains. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la rouille ? Non, c'est du sang séché. Mon Dieu, je suis en train de tuer ces pauvres créatures dans les cages. La bouteille se remplit du liquide laiteux provenant des tubes d'alimentation des cages. C'est amer, et je me sens plus fort. C'est amer, et je me sens plus fort. Mon estomac gargouille. Ah, quelqu'un s'est bien amusé ici. Oh, ça a dû être un sacré combat. Quelqu'un y a essuyé ses mains ensanglantées. Je me suis débarrassé du passé. Mes mains sont sèches. Quelqu'un y a essuyé. On dirait que ça a été renversé pendant le combat. Il y a du sang ici, et qui sait quoi d'autre. Oh, ça pue ici. Un couteau et un gros en plus. On dirait un four à gaz. Assez grand pour que j'y rentre. On dirait un four à gaz. Assez. Le gaz est éteint. On dirait une fourchette. J'ai failli louper ça. C'est lourd. Ça doit être du métal ou quelque chose comme ça. Satanera. Ils ont dégueulassé toute la nourriture. C'est dégueulasse comme tout le reste. Ces Satanera me dévoraient tout cru si j'essayais de prendre le pain. La fourchette est trop tordue pour être utile. Je ne réussirai qu'à abîmer mon couteau. Ça leur a fait peur. Oh, c'est dégueulasse. Ce pain est couvert de crottes de rat. Oh, j'ai plus faim, mais je me sens toujours vide. Qu'est-ce qui va pas? Elle est vide, mais l'étiquette indique « Poison, ne pas avaler ». Un vieux livre de cuisine.
Ce truc est sur le point de se briser en petits morceaux, ça sert à rien. C'est la recette du lait de gentillesse humaine. Prendre de la volonté de pardon et de puissance, mélanger avec du sang d'innocent et de la colère des gens ayant subi une injustice. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est étrange, la bouteille est vide. Elle est vide, mais l'étiquette indique « poison, ne pas avaler ». Des taches de vomi, près du punch. Je peux quand même pas emporter le monde en... Où est l'équipage? Je suis tout seul ici. Un flingue. Il est lourd. Plus lourd que ce qu'il devrait être. Tout est recouvert d'une couche de crasse. La balle de ce revolver est énorme, elle pourrait abattre un éléphant. C'est fermé. Où est l'équipage? Je suis tout seul ici. Le tissu est épais comme de la toile. De gros sacs de gaz gris. Je dois être dans un ballon dirigeable. Un bouton, c'est le système de gonflement d'urgence. Quelqu'un a déjà coupé ce tissu, il a été recousu. Les sacs d'air sont déjà gonflés. J'ai fait un nouveau trou. Ça mène à une poutre qui dépasse du ballon dirigeable. Ça fait aucun doute. Ham m'a mis dans un zeppelin métallique. Mais pourquoi? Pourquoi me donnerait-il une chance de m'échapper? Ça doit être l'anneau d'amarrage du zeppelin. Ce cœur est connecté à un tas de fils électriques et ressemble à un étrange système de guidage. Et avec Ham aux commandes, je ne pense pas que je vais apprécier l'endroit où il m'emmène. C'est trop étroit pour que je traverse sans tomber. Ces deux draps font une corde presque correcte.
pas quoi faire de ça. Cette corde semble assez solide pour supporter mon poids. Ah, le nœud est trop serré! Je sais pas quoi faire de ça. Je sais pas quoi faire de ça. Le gaz s'échappe. Il est déjà dégonflé. Quelque chose semble différent. Ça mène à une poutre qui dépasse du bas. Nous approchons d'un espèce de bâtiment. Il y a un bâtiment au loin. Pourquoi cette alarme s'est-elle déclenchée? Oh là là, oui, c'est que ça fait loin jusqu'en bas. Il est assez affûté pour couper n'importe quoi. Nous approchons d'un espèce de bête. Chose qui va pas. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser mourir maintenant, après être intervenu à chaque fois que tu as essayé de te suicider au cours de ces 109 dernières années? Non, Gorister, je vais te renvoyer au feu où tu pourras languir éternellement dans la culpabilité. C'est un enfer sans fin, Gorister. La clé rentre pas. Ah, c'est dégueulasse comme tout le reste. Je ne réussirai qu'à abîmer mon couteau. Le gaz s'échappe. Quelque chose semble différent. Les sacs d'air gonflent.
J'ai fait un nouveau trou. Ça fait aucun doute. Ham m'a mis dans un zeppelin métallique. Mais pourquoi ? Pourquoi me donnerait-il une chance de m'échapper ? Le métal de la fourchette a court-circuité l'installation électrique du moteur. Ces deux draps font une corde presque correcte. Je sais pas quoi faire de ça. Sacré-Cœur a cessé de battre. Il y a une boussole et des fils attachés à ce cœur. Cette corde semble assez solide pour supporter mon poids. Ça doit être l'anneau d'amarrage du Zeppelin. Le gaz s'échappe. Quelque chose semble différent. Nous avons atterri, mais où ? Un routier avec mon nom dessus. C'est un gros pneu de camion usé. Ça me rappelle les bars de routiers que je fréquentais. C'est un gros pneu de camion usé. Ça me rappelle les bars de routiers que je fréquentais. Les fenêtres sont toutes condamnées. Je pense que le propriétaire n'est pas très intéressé par les réparations. Je comprends, les choses s'abîment de toute façon, alors pourquoi se décarcasser ?